à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est l'infatigable 57 qui nous parle. Et vu cette CP en or, j'espère que vous l'avez vu, nous allons jouer avec le Yellow Lanterne. Et nous allons faire qu'un seul épisode, mais comme je voulais que cet épisode soit ultime, nous allons aller dans le Nether. Avec une armure en cuir et une épée en or. Donc je compte bien mourir, au moins une fois. Donc voilà. Il y a de quoi avoir peur, hein. Je suis dans le Nether et franchement, je suis en mode normal. Le pire, c'est que je suis même pas en mode facile, hein. Je suis dans le Nether, armure en cuir, épée en or, et je ne suis même pas en mode facile. Des fois, ça m'arrive de faire des trucs de ouf, comme on dit. Très très ouf. Alors, nous allons descendre, tuer ce Wither. Hein. Meurs, meurs, meurs. Ah, tellement de difficultés. Oh, ça y est, nous avons tué un Wither. Et notre épée... Ah ouais, notre épée est déjà presque terminée en fait. Ah ouais. Ah mais les épées en or, c'est vraiment nul. Comme on le dit, c'est nul les épées en or en fait. Ça y est, mon épée, on est déjà à la moitié. Je vais pas trop m'éloigner du portail, surtout avec une armure en cuir et une épée en or dans le Nether. Bah, y a personne là. Ah, ils ont peur de moi. J'ai une épée en or, une armure en cuir et ils ont peur de moi. Et comme il n'y aura qu'un seul épisode sur le Yellow Lanterne, eh bien, je comptais que cet épisode soit ultime. Alors, on va relever les défis, c'est-à-dire armure en cuir, épée en or et voilà. Ah ouais. J'ai déjà presque plus de vie. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, faut que je rentre. Mon épée, elle est pratiquement terminée. Ok, donc cet épisode va durer 10 minutes. Bon, peut-être un peu moins. Oh non, un blaze. Oh non, j'aurais jamais dû faire ça. Maintenant, je suis face à un blaze. Un blaze, les amis, un blaze. Là, vous voyez rien, désolé, hein. Allez, c'est bon. Voilà, on est obligé de rentrer là. Faut rentrer. Repli. J'ai très très peur parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas relevé un défi aussi grand que celui-ci. Notre épée en or est déjà pratiquement terminée. Donc est-ce que j'en ai une deuxième? Non. Donc on va aller prendre un maximum d'épée en or, hein. Ah mais non, on peut pas en prendre parce que si on meurt... Bon, vous savez quoi, quand on va mourir, ce sera la fin de la vidéo. Mais ça va, cette vidéo ne doit pas durer plus de 15 minutes. Donc on va aller dans notre coffre, prendre ceci, ceci. Ah ouais, j'ai pas d'autre épée. Ah si, ouf. J'en ai une autre dans le sanctuaire des Yellow Lanternes. En fait, d'aller dans le Nether, j'ai vraiment très très peur. Et pourquoi est-ce que j'ai peur? Déjà parce que c'est le Nether, armure en cuir, épée en or. Et de deux, parce que je suis un Yellow Lanterne. Et les Yellow Lanternes, en fait, c'est la couleur de la peur. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu la couleur de la peur. Mais en fait, tout le monde dit, ouais, la peur, c'est pas bien. Parce que voilà, t'es un peu heureux. Mais non, je ne suis pas un peu heureux. Pourquoi ne suis-je pas un peu heureux? Tout simplement parce que la peur, dans certains thèmes, c'est bien. Par exemple, c'est pas bien d'être un peu heureux. Mais il faut dompter sa peur. Et une fois qu'on a dompté notre peur, c'est très bien. Parce que déjà, ne pas avoir peur et être courageux sont des choses bien différentes. Ne pas avoir peur, ben, c'est pas avoir peur. Et être courageux, c'est avoir peur, mais savoir l'utiliser pour faire des choses bien. Donc en fait, être courageux, c'est savoir dompter sa peur. Donc on utilise notre peur pour nous rendre encore plus puissants. Donc ça... c'est bien. Ça, c'est bien, voilà. Un blaze. Es-tu toujours là? Déjà, un blaze, hein, j'ai aucune chance, hein.
J'ai aucune chance face à un blaze. Face à un blaze, je peux déjà rentrer, hein. Je suis mort. Eh oh, tu me vois pas? Alors, face à un blaze, je peux déjà vous dire, je suis mort, hein. Ah, la peur. Je suis courageux, le courage. Ah. Ok. J'ai plus d'épée en or. Vous voyez, ça s'use vraiment vite. Mais j'ai quand même tué le Wither. Mais je n'ai pas eu d'XP. Oh, les cubes de magma. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pitié que cet épisode se termine bientôt. J'ai tellement peur. Ah. Un blaze. Nous devons rentrer à tout prix. Oh, mon cœur battait tellement vite et mon cœur était tellement chaud. Oh, mais c'est bientôt la nuit. Oh, mais c'est un enfer. Je vais pas pouvoir survivre dans le Nether aussi longtemps que je le croyais. Non, je suis désolée, les amis, mais armure en cuir, épée en or, c'est infaisable. C'est impossible. Je croyais pouvoir réussir ce défi, mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire autant d'exploits. Je croyais pouvoir faire cet exploit, mais non. Je ne peux pas faire un tel exploit. Parce que, voilà, c'est beaucoup trop difficile. On va dormir. Gardez notre petite vie tremble. Enfin, je sais pas si vous voyez, moi, ma petite vie tremble. Hein. Oh, mais si seulement j'avais une petite potion de régénération. Les zombies doivent être encore là. Et comme je le disais, ben en fait, la peur dans certains thèmes, c'est bien parce que ne pas avoir peur, voilà, on n'a pas peur, on intrépide et tout. Mais être courageux, c'est utiliser sa peur et dompter sa peur et savoir en faire quelque chose pour devenir plus facile. C'est pour ça que, pour que le défi soit plus facile. C'est pour ça que j'aime bien le Yalou Lanterne. Déjà parce que j'aime bien jaune. Et de deux parce que voilà. On a une table d'enchantement, que faire? Ah ouais. Ah ouais, mais en fait, j'ai pas assez d'XP, donc... Voilà, donc en fait, le courage, c'est savoir dompter sa peur pour être encore plus fort. Et aussi, il y a le stress. Le stress, c'est une petite peur. Bon, moi, j'ai fait du théâtre, donc je pourrais facilement vous dire ce que c'est. Donc en fait, le stress, c'est une petite peur. Et en fait, quand on a cette petite peur, ben, ça va un petit peu... Par exemple, moi, j'ai fait du théâtre. Voilà, et en fait quand je faisais du théâtre, attendez, on va attendre encore un petit peu. Et quand je faisais du théâtre avant de commencer de pied, j'étais toujours, enfin, pas du stress, mais j'avais toujours le trac, voilà, c'est du trac. J'avais toujours le trac avant de commencer ma pièce de théâtre. Et en fait je me suis servi de ce trac parce que quand j'étais sur scène, j'avais peur et tout. Et après, ben... Après, du coup, je me suis servi de cette petite peur pour justement tout faire parfaitement. Donc voilà. Donc il y a des moments, la peur, c'est bien. Voilà, c'est pour ça que j'aime aussi les Yellow Lanternes. Et aussi, les Yellow Lanternes se font craindre, tout simplement. C'est un cauchemar. Un blaze. Vous pensez qu'on va mourir? Bon, vous savez quoi? On va prendre notre courage à deux mains. On va faire un véritable suicide. Avant, je ne faisais pas ça. Tout simplement parce que, voilà. Mais maintenant que je suis en vidéo, je suis obligée de le faire. Suicide, les amis, suicide. Sur Minecraft. Non, en fait, j'ai plus envie, là. Non, en fait... je crois que c'est trop tard. Non, en fait, j'ai plus envie. Allez, faut prendre notre courage à deux mains. On va se suicider, probablement, mais c'est pas grave. Ouf, oh, mon cœur bat déjà tellement vite. Si seulement je pouvais avoir un petit peu de plus de courage minecraftien. Parce que dans la vraie vie, je peux vous dire que je suis courageux, mais voilà, mais dans la vraie vie, je suis très courageux. Mais là, je suis beaucoup moins courageux tout d'un coup. Hein, quand c'est sur Minecraft, je suis beaucoup moins courageux. Mais c'est pas grave, après tout, mourir sur Minecraft, c'est quand même pas la fin du monde. Bon, allez, donc on va ranger une épée. Alors, on va ranger ces deux trucs en cuir là.
Et voilà. Donc, non. On va prendre cette épée, on va se suicider sur Minecraft. Allez, nous sommes courageux. Nous pouvons dompter notre peur pour en faire du courage. Parce qu'en fait, la recette du courage, c'est il faut l'ingrédient principal du courage, c'est la peur. Hein. C'est l'ingrédient principal. Sans peur, on peut pas avoir du courage. C'est un ingrédient très principal. Hein. Non. Allez, je peux le faire. Ainsi que le trac. Hein. Le trac, c'est une montée d'adrénaline. Allez, c'est parti pour un suicide. D'ailleurs, cette vidéo, je vais l'appeler comme ça. C'est parti pour un suicide. Non, mais en fait, je suis déjà presque mort. Oh, mais il faut que je retourne là-bas, en fait. Mais... Et voilà, mais à chaque fois, je sors, je rentre. Mais je savais pas que ce serait aussi difficile. Pourquoi tant de haine, comme le dirait un de mes amis? Bon. Je vais juste rentrer. Attendez. Parce que là, je suis en panique totale. Face à ce blaze. Parce que même Mister Moustache, dans Desert Survival, n'a pas osé affronter ce blaze. Alors moi, est-ce que je dois essayer de le faire? Je ne sais pas. On va le faire. Même si on perd contre ce blaze, on va le faire. D'abord, on va tuer Sou avant. Mais on va combattre ce blaze, prendre le courage et être un héros. Le Yel aux lanternes, le héros. Et c'est là qu'on va mourir. Montre-toi, Blaze. T'es toujours là? Ah! Ok, je suis déjà mort en fait. Je m'attendais pas à mourir aussi vite. On va échapper à ce Blaze et essayer de battre ce Wither. Bon, il ne nous reste plus qu'une seule vie. Une seule et dernière vie. Alors. Oh, je suis tombée. Ah, oh, ben super. C'est idée. Allez. Ok, je suis déjà mort. Je me suis fait tuer par un squelette. Bon, ben, c'est la fin de cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo.